Bonjour à tous et bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, une astuce, congeler la pâte à choux. J'ai trouvé intéressant de congeler la pâte à choux et de dire comment on fait pour la congeler et la décongeler. Parce que lorsqu'on en prépare, on en prépare toujours une quantité assez importante. Et une fois que les choux sont cuits, on est obligé de les manger. On va réaliser une pâte à choux. On va pocher les choux. Donc sur du papier sulfurisé, on va mettre ces choux dans des boîtes pour aller au congélateur et on congèle. Alors pour les décongeler, donc quand vous en aurez besoin, je sors les choux, hein, donc la taille que l'on veut, hein. On peut faire des gros et des petits, moi j'avais fait des petits. On les met sur la plaque de pâtisserie. Et en attendant que le four préchauffe à 180 degrés, on les laisse décongeler tranquillement. On fait cuire nos choux et après c'est donc à la température de 180 degrés. Donc le temps dépend de la grosseur. Hein. Donc moi pour mes petits choux j'ai mis 35 minutes. Et après ben, bien sûr c'est la procédure habituelle. On va laisser les choux refroidir sur une grille. Une fois que les choux ont bien refroidi, on prend un couteau à pain, on les coupe en deux, on garde les couvercles. Alors là, j'ai préparé une petite chantilly, hein, donc je vais les fourrer à la chantilly. Donc j'ai mis ça dans ma poche à douille et on va pocher la chantilly, on va les remplir. Et puis après, il n'y aura plus qu'à décorer un petit peu avec du sucre glace et les partager avec les amis et la famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo gourmande ou d'autres astuces culinaires. Merci.